j'ai des choix à faire et je préfère comme actuellement qu'ils soient plus compliqués qu'à certaines périodes parce que d'abord j'ai du monde dans l'effectif et j'ai des bons joueurs, je le dis depuis le début de saison où j'ai un groupe d'une grosse vingtaine de joueurs qui sont homogènes, qui travaillent bien, qui s'entraînent bien, qui ont un bon comportement. Donc je préfère avoir ces difficultés pour parfois faire des choix plutôt que de se dire bon ben les choses sont tellement claires que donc j'ai plaisir à avoir des difficultés à faire des choix. On veut revivre ce genre de soirée qu'on a vécu spécialement face à Séville. Ce sont des soirées que tout footballeur rêve de jouer, de participer. Donc on se donne le droit de rêver, tout simplement. Voilà, on s'est permis de pouvoir jouer ce barrage et on espère vraiment être présent pour l'événement pardon, et vraiment répondre présent en tout cas. Fribourg est une équipe stable, c'est un modèle stable, même s'ils ont perdu quelques matchs ces derniers temps, mais une équipe forte sur le plan athlétique, très bonne dans certains domaines, très, très expérimentée aussi. Donc, qui avait joué une autre équipe française en Coupe d'Europe l'an passé et qui avait posé sur les deux matchs énormément de problèmes à Nantes. Donc voilà, et puis un modèle stable, comme je dis, avec notamment un entraîneur qui est là depuis très très longtemps. Donc, mais on est heureux d'être là, et puis on va surtout se donner les moyens sur les deux matchs pour continuer à vivre d'autres moments en Coupe d'Europe si possible. Je pense que l'équipe l'aborde bien, sereinement. Voilà, on a bien travaillé pour bien préparer ce match-là. Donc je pense qu'il faudra tout simplement répondre présent à l'événement. Voilà, parce que ça ne sera pas facile, on sait très bien. C'est une équipe allemande. Et pour avoir un peu parlé avec Loïs de cette équipe, ça va être très compliqué. Donc il faudra être à 100%, comme je le dis souvent. Et voilà, après, pour l'appréhension mentale, l'approche, pour ma part, voilà, ça restera deux matchs de football qu'il faudra gagner, tout simplement.